Salut, c'est moi, c'est Cracra, Cracra Loft. Alors, tu m'as croisé, mes gros polygones et moi, dans de nombreuses aventures, j'étais jeune. Eh bien, aujourd'hui, je vais te faire une aventure où je suis encore plus jeune. Car avant d'être jeune, j'étais conne. Y a des fois, on se demande si ça pourrait pas être vraiment le résumé du dernier Rise of the Tomb Raider. Parce que, je vais vous laisser découvrir pourquoi il y a déjà une partie du jeu que je n'aime pas beaucoup, et comment il y a une seconde partie du jeu que je n'aime encore moins, dès le démarrage. Car hormis que Lara Croft soit devenue une petite pimbèche british, à l'accent purement détestable, on ne démarre pas un jeu avec des séances vertige. Hein. Je le rappelle, qui suis-je pour streamer des jeux où je montre délibérément à tout le monde que j'ai le vertige? Je ne sais pas, mais je vais quand même le faire. Alors là, je suis en situation confortable, sur une corniche. Et par pitié, le jeu ne me laisse pas regarder tout en bas, qui est à 10 703 km exactement. C'est-à-dire le centre exact de la Terre dans lequel je vais m'anéantir. Là, je vais faire une connerie, mais vous n'êtes pas obligé de le faire chez vous. Ça, fallait pas le faire. Bah oui, mais bon, mais coup de que dalle. Ça sent le caca cette affaire, ça sent le caca, mais je vous dis. Je sais pas où tu veux que j'aille. J'ai froid aux doigts, j'ai des crampes. Et en plus, tu me fais deviner le chemin. Ouais, Maurice, attends-moi là, je vais chercher des renforts. Regarde, je vole. C'est ton. C'est super. Alors ce petit bruit, c'est dans ta tête, hein, joyeux amateur de stream. Ah oui, c'était trop facile. Ouais, bah tu me retiens, quoi, gars. Parce que t'es là pour ça. Sinon, je te fais mourir. C'est pas possible, ça. C'est l'associé qui ne veut pas pour la gueule. Oh, shit.
quand même pas de bol, quoi. Se sortir d'une embrouille pour se mettre dans une autre. Je gère, même pas le vertige. Ah, mais j'ai pas le vertige du tout. Rien à ça comme je gère bien. Je sais même pas où je vais. Oh. Un tremplin. J'adore ce que vous faites. Fallait que je trouve quand même, c'est obligé quoi. Ah, chiennerie. En fait, c'est un film d'action interactif pour l'instant. C'est bien fichu, mais. Comment dire? On suit le fil de la narration. Voilà, c'est la version soft et convenue. Mais du coup, c'est pas très. Enfin, je cherche le côté jeu là en fait. Je sais, je suis méchant. Mais... Et pense à t'accrocher. Ouais. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Bien début là. Je sens que tu gères, je sens que tu gères. Ne doute pas de toi. Et pense à ce bon chocolat chaud qui t'attend au bout. Iiii. Moralité. Quand t'es dans la merde, te débat pas, hein, ça sert à rien de te débattre. Voilà. Elle aurait lâché prise dès le début. Bah, elle en serait au même point, la pépette. Oh là là, sacré cracra loft. Vous voulez que je vous refasse la voix du début du stream? C'était quand même vachement bien. Salut, c'est Cracraloft. Ah là, non, elle va parler, là, ça va être dramatique. Alors, cet accent brit surfait de pain bêche, c'est le point L'Oréal, on va dire. C'est un peu comme le point Godwin, à part que là, t'es en plein monde de produits. We age, we decay, we die. But what do we leave behind? Bones? Dust? What of the soul? Does it endure beyond our earthly existence? I believe it does. A truth lies at the heart of many myths and stories. A truth not of science, but something more profound. The key to unlocking everlasting life. I may have found the next piece to the puzzle, but ne serait-ce pas un artefact? They're following me. Un Tomb Raider, gros polygone, artefact. Je crois qu'on tient un concept là, les gars. An ancient violent sect with designs on controlling the future of humanity. I must proceed carefully for the sake of my family. If anything were to ever happen to Lara or Anna, I could never forgive myself. Anna, tu avais donc une sœur cachée. Rick, Rick, c'est moi. Tu peux sortir, il n'y a pas de zombies. Je suis allé voir. C'est dans ta tête. Rick, mais tu es où? Oh, il a fondu. C'est important la narration, je voudrais surtout pas vous la gâcher. Enfin là, elle parle pas, c'est encore supportable. It's me, Hannah.
are you doing here? I saw the gutter press was attacking you again. I thought you could use some company. Donc maintenant, dans Tomb Raider, il y a un petit côté Santa Barbara quand même, faut aimer, c'est particulier. Of course not. What's going on? Donc il va y avoir une petite affaire de famille là, c'est par rapport à des prises d'intérêt sur de l'immobilier apparemment. Et il est fort probable que le Qatar soit de l'affaire. Alors, ils vont envoyer des espions, mais des espions avec un fort accent germanique ou russe. Parce qu'ils savent très bien que Mademoiselle Lara Croft, faut pas déconner avec elle. Elle a tout le temps un artefact qui dégomme à la fin. Quoi. Donc c'est un bon plan. C'est tu la laisses démarrer l'aventure et tu la suis. Je vous refais le scénario du prochain Tomb Raider, en fait. À la fin, Lara Croft, je crois qu'elle va finir jaune, avec un petit nœud rouge dans les cheveux, dans un labyrinthe à manger des pastilles. Ah non, c'est Miss Pac-Man, sa mère. You know I can't go back there. But this obsession ruined your father. I saw something. Something I can't explain. Now I understand what Dad was going through. It's all fairy tales. Nonsense. Don't go down this road. You know where it leads. Sinon, il y a un autre système, ça s'appelle la GIF, c'est pas mal. Parce que quand même, là, on a un beau duo de tête à claque. Hein. Avion, plan avion. Non, pas plan avion. Je sors, plan scorpion. Ça rime, j'étais pas loin. Hey, we're heading into a war zone now. Better be sure about this. We're close. There should be an oasis in the canyon just ahead. You're wasting your time. There's nothing out here. Just keep driving, please. It's your money. Something is normal. Oh, that's just local militia. You told someone, didn't you? They paid better than you. You both damn, just broke! Shit! They weren't supposed to shoot at us! Get it out of here! Shit! No, no, no! Salut, c'est Lara Drake. Ces jeux se ressemblent un petit peu tous, ou c'est moi en fait? Parce que je voudrais pas être médisant gratuitement, il faudrait quand même quelque chose de constructif dans la critique. C'est pas bien qu'ils se ressemblent tous. Non, 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 il y en a marre des gadins sur les falaises. Il y a un moment, c'est plus drôle. Là où on peut rendre hommage, c'est que les passages entre les séquences cinématiques et le jeu, on sait jouer habilement de l'excuse du décor, hein. C'est fabuleux, fabuleux, joli travail. Ah, c'est pas un bug du jeu, c'est un vrai filtre d'effet pour faire trop vrai. Alors à savoir qu'aujourd'hui le stream est en 1280. Parce que dans des résolutions supérieures, ça passait pas trop chez moi. C'était pas terrible. Alors, gros défaut, c'est que la résolution n'est pas terrible et du coup, il y a un effet granuleux qui devrait apparaître dans le stream. Donc, le grain que vous risquez de voir, c'est le grain réel du jeu. Hey! Si je faisais la conne sur une falaise, il faut délire. Bien sûr, que ça foutre. Je pourrais pas trouver un endroit, je sais pas, là. La Belgique, un truc comme ça. Ah, mais bon,
Something's here. Oui, something. Bon. Could this really be it? Et donc, pour en revenir à mes histoires de résolution, avant que Mademoiselle me coupe, enfin la conne sur des parapets de pierre. En 1280, du coup, ça passe pas mal sur une machine assez ancienne. Tais-toi quand je parle. Yes, but shut the fuck up, please. Et donc, ça passe pas trop mal sur une configuration ancienne. On met tous les détails à fond. C'est une bonne petite tête si on fait abstraction de ce grain. Et du coup, vu que c'est très très fourni l'ambiance, bon, par exemple, voilà. Bah, ça dérange pas trop. Ceci dit, sur des grosses babas récentes, ça doit être terrible. Je pense que rien que la Full HD à fond, ça doit être chouette. Ça y est, j'ai gagné. Je peux rentrer à la maison, prends ma main. Parce que Cracra Loft, quand même, elle est très cracra. Elle aime bien quand même se foutre dans des endroits où mon instinct de survie, tu aimes les caissons de basse. Alors je vais te faire de l'instinct de survie. Okay, he's shown here performing healing miracles. Pas du tout, il lui tient la main parce qu'il va le marier avec Satan. Tu comprends rien, toi. Hey, je suis au soleil et je tiens quand même un truc lumineux, regarde. C'est pour m'aérer les selles, t'as rien compris, toi t'es trop bête. Allez, je m'en vais. Oh, regarde. It's the prophet speaking with a foreign army. He convinced them to lay down their weapons. Pas du tout, il avait besoin de couper un camembert et il y a un péon qui lui apporte un couteau. Elle traduit n'importe quoi, n'importe comment en plus. On n'est pas sorti de l'auberge, mais je veux dire. Tiens, prends, il y a peut-être des... Moi, une épée, je serais toi, je la prendrais, quoi. Le gros machin, là. Elle est pas très fight, hein. C'est Lara. La gentille, elle s'incarne. Ah bah, et regarde celui-là. Alors, pas du tout. Ça, c'est un hippie qui voulait faire croire que les pyramides, c'était des aéroports pour soucoupes volantes. C'est tout faux, hein. On peut pas y arriver. Et là, c'est un mur qui se casse. Vas-y, frottez, poncez. Frottez, poncez. Piochez. Quiche. Quiche. Lara, elle aime pas trop les cailloux. Elle a bossé dans le BTP. Faut pas déconner, quoi. Effectivement, ça envoie du zbeu. Ah ouais, non mais... Je vais faire des streams payants maintenant, vous allez me payer une carte graphique les enfants. Enfin, faut échanger la carte mère aussi. Bon, y'a les molos. Les cartes graphiques, hein. On est bien d'accord sur celle que je veux, j'ai quasiment... On est bien d'accord, donc chacun doit donner 2 euros. On est bien d'accord, et c'est pour que je puisse financer cette 1070 que j'ai tellement envie de mettre dans le coffre du PC. Pour m'épargner cette R980 agonisante, qui de toute manière n'a plus trop envie de bosser, ça se voit. Ah, il y a du grain, mais ça fait son effet quand même. Oh, que ça doit être joli en Full HD. Et je ne parle même pas dans les résolutions de bourgeois au-dessus. Eh ben, c'est vrai. Et rappelle-toi, là où c'est usé, c'est là qu'on passe. Sinon, t'es pas dans un vrai jeu vidéo AAA. Autrement appelé Triple A. Y'a pas de problème. Hé ! T'as oublié de me laisser le shampoing ? Putain ! C'est qui a fabriqué ça? C'est de la merde! Vas-y, cours doucement. Cours doucement. Mais plus vite.
pas de shampoing, pas de Tahiti douche, et pourtant une magnifique fontaine où tu pourrais faire une scène érotique, mais regarde-moi ça dans cette chute d'eau. Le concours de t-shirt mouillé idéal. Eh bien non, pas aujourd'hui. Vie de merde. Ça passe théoriquement, on va dire. Attention, c'est assez cool les pépettes. Ça me serait tardé. The Order of Trinity pursued the Prophet and his people relentlessly until finally confronting them in their hidden oasis. J'ai l'air trop intelligente, je veux dire. Je suis un peu cracra quand même. C'est joli quand même. Et c'est correctement animé, même au-delà du corps. Tu sens la tension là? Tu sens le passage qui se rétrécit? Où elle va être obligée de frotter devant et derrière en même temps? Ouais, non, là. Ah, mais c'est ça, les gens qui ont pas de cheveux, ils font peur souvent. Moi, je suis pour le comité, c'est dégueulasse. Nous, on a fait Dr. Jones. On va remplacer les araignées par les scorpions. Bonjour monsieur, je vais pas vous déranger si c'est l'heure de la prière. Je suis allé voir vos copains en palais là-bas, ils ont l'air vachement plus détendus. There was a battle here, armed soldiers against religious pilgrims. Pas du tout. The Order of Trinity. Mais pas du tout. Ils ont fait un mikado et ça a dégénéré, tout simplement. Cette Lara, elle est tout le temps à inventer des mythologies sur des conneries, c'est incroyable. Mais t'as rien comme ça. Slain by the Order of Trinity. Pas du tout. Mais là, je peux pas expliquer ce que ça décrit. Il y a des enfants et ça passe, c'est un stream qui passe des heures de très très grande écoute. Et je voudrais pas être tout de suite rangé dans la catégorie qui fouille partout avec ses petits doigts. The Order of Trinity has ouais, ok. Donc, un noir de trucs à ramasser pour avoir tous les indices d'une aventure absolument. Des montres. Eh mais je te connais toi, Henri. C'est pas toi qui étais le tapas en bas à côté du mini market là? Ouais, puis ça va vite là. Finalement, je vais regretter de pas avoir un framerate pourri parce que ça va aller trop vite pour moi. J'ai pas les réflexes pour. Là. Non. They're blasting their way in. Ah. Ouais, non mais ça c'est de la caque madame, c'est de la caque. On t'avait dit, mais t'aimes bien toi traîner dans les endroits pas possibles. Ah le BTT. Si elle avait pas eu son diplôme, Lara, c'est bon. Ça s'appelle être dedans jusqu'au cou là. Alors, réfléchissons, c'est d'où je viens ça ou c'est où je vais? Il est probablement probable que ce soit d'où je viens. On sait jamais. Mais non, c'est où je vais. Non, c'est d'où je viens, lui. J'ai fait trop bien la blonde. Elle donne envie d'être cassée cette planche quand même. Alors, reprenons. C'est comment le... Non, tu vas tomber. Le méga truc...
Non. Mais tiens, attends. Je voulais faire son sens commun là. Might be a way to release that old platform. Ok. Bon, on va la release. Là, attention, t'as un gros bout de rien armé. C'est dégueulasse. Ah, il y a du fan service jusqu'au bout, quoi. Alors, on est dans un Lara Croft aussi. Hein. Tiens, ils m'ont plus que l'odeur, hein, ça fait pas mal. Ah, c'est bad ça. Oula, oula, oulala. Calmons-nous. Lâche-moi le truc, lâche-moi. Allez, pépette. Allez, pépette. Ah, un bout de caca dans les cheveux, c'est formidable. Oh. Stunning. We made it, Dad. Je crois que pour l'instant le jeu tient sur les mecs qui ont fait les décors. Ça s'est sévèrement enlevé des doigts. Et entre les éclairages d'accueil convenus et juste parfait, ouais, le remplissage, c'est sympa. On n'a pas cette impression d'éditeur de map tout pourri. Quoi. Joli, joli, joli. Ah, le saut de l'ange. Ça se tente. Un petit bonus, là. Oh, la garce. Joli, 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 en tout cas. Ouais, le saut de l'ange. C'est un peu short, mais bon, je peux la faire. Eh bien, B+. Ça, tu peux pas monter ça. Under. Go under, go under. Yes, good, good. Swim. Te noie pas quand même. Et je vais devoir activer mon instinct de survie. J'en ai bien peur. Et ne serait-ce pas un mur qui va casser. Oh le BTP, on est sympa. Oh le BTP, tu t'éclateras. Exactement où je voulais aller. Non mais sérieux. Attention, il y a une bête. Bon, il est très joli quand même ce Lara Croft, très maniable. C'est juste dommage que pour ses meilleurs atouts, il soit réservé à un public. Il doit avoir un PC de fou. Switch. Bon, bravo. Qu'est-ce qu'il y a de beau par ici? Pas grand chose. Pas grand chose. C'est très joli. C'est quoi le bouton pour l'instant de machin là? Non, tu casses pas le bras. Ah, appuyez le stick droit.
Donc il y a quelque chose là-haut. Oh, il y a deux vats. D'accord. Désolé là, on a peut-être des pertes de framerate, hein, c'est normal. Dit que la réflexe est basse, c'était pas d'actualité aujourd'hui. C'est le stream du dimanche. Jump! Hé, attends-moi! Ah, le deuxième, tu me l'as pas compté, mais c'est pas très sympa, j'avais tous mes réflexes. Qu'est-ce qu'il est méchant, ils sont. Moi, j'ai plus de gun de rage. Jump! Dégaine. Petit enfoiré. Ouais. Bon, j'ai pas encore le framerate idéal apparemment. Parce que là, c'était quand même... J'ai rien à ramasser, je suis dégoûté. Ouais. Parce que là, je pense que j'ai perdu. Je voudrais pas me servir de cette excuse gratuitement. Pourtant, c'est un grand classique. Et j'ai perdu... à cause du manque de réactivité dans mes commandes, pas de moyen de réflexe. Je voudrais pas qu'il y ait un malentendu, hein. C'est pas parce que c'est les streams à papy que... My lord, tais-toi, toi. Que forcément papy il a plus de réflexe, hein. Je voudrais pas qu'on croit ça, ce serait complètement erroné. Je passe, ça ouvre, ça va me rejeter de l'autre côté, je saute en face, ouais. Yes. Je suis trop malin, je veux dire. Hey, regarde, ne serait-ce pas un mur qu'on peut casser? Je ne sais pas, essaye avec ton piolé. Oh, regarde, il y a un petit caillou là. Ah ah. Mais bon, du coup, ça me rend quoi d'accessible là, d'avoir monté le niveau? Ce côté là-bas, peut-être. Je sais pas. Maybe I can free that platform. Toi, t'es comme ça, toi. J'ai pas l'air très doué. Doué, je ne dois pas être. Ah, que ce soit rouge pour que ça marche. Mais j'aime me tripler la gueule. Je fais quoi, moi, cher? Oh, mais ça fait comme une chasse d'eau, en plus. Ça monte et ça redescend aussi sec. Ok. Ok. Bouge pas. Ah, si, bouge peu. Y'a pas un passage, du coup, là? Que va? On m'aurait menti? M.E.A. Ça se monte pas, ça. Vas-y, fais des filles. On s'y prend au jeu finalement, on s'y prend. Bon, c'est en face le passage. Oudada. Vite. Quelle est ta chance. Tu crois que tu t'accroches dans ces trucs fous? Moi, je demande à voir. De toute façon, je pourrais remonter sur toi.
Ah, bien tenté, professeur. M'énerve ce truc cuivré à chaque fois, je crois que c'est un truc à ramasser. So why don't you want me to go back to my plane, c'est ça? Bien, bah si je te mets un petit pruneau bien aligné là. Toujours quand il faut pas. Tu as dit on a un instinct de survie. J'ai pas compris madame. Ah si, j'ai compris. Toi en fait, t'aimerais bien que je saute sur cette fucking barre, mais pour sauter sur cette fucking barre, faut que je saute sur ce fucking truc. Et pour sauter sur ce fucking truc, je ne vois qu'un chemin. Enfin, je ne le vois pas encore, mais je le sens. Je ne sens qu'un chemin. Nif, 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 nif. Merde, je saute comment sur ta double là. Et ça saute là. On va dire oui. Mais en plus, t'es désagréable! Lara, mais comment t'es désagréable? Tu sais très bien ce qu'il faut faire et tu veux pas le faire. Ne serait-ce pas ce qu'on appelle le caractère fille? Bah ouais, t'es toute trempée, mais c'est normal. T'as un peu cherché. Alors, moi je passe à fond la pièce. Je vais le poser. J'arrive à sauter sur cette merde. Ah non, le radeau là-bas. Petit pont de radeau. Petit pont de radeau. Et là, jump. Voilà. Ah, il était moins explicite que la moyenne celui-là. Il y a beaucoup de crânes, mais ça manque d'animaux étrangement. The prophet's tomb. Mm-hmm. After all this time. And the artifact inside. Donc pour plus tard, toujours avoir un peu de saucisson à côté du PC pour les jeux où il y a des grosses narrations. Open it. Carefully. Ça peut servir. It could be extremely dangerous. Who the hell are you? You're a smart woman. I suspect you already know. Trinity. Where is the artifact? I don't know what you're talking about. Don't play games with me! You led us to this place. Look,
It was empty when I got here. There was no body and definitely no artifact. Tu mens. Tu es là. Je m'ouvre aussi. Un truc un peu triste avec ces séquences Hollywood action, c'est qu'en fait on vous met tellement la pression que vous pouvez pas vraiment profiter de ce qui se passe vu que votre cerveau est un petit peu affolé à trouver l'itinéraire idéal. Et du coup c'est dommage parce que c'est très spectaculaire. Ceci dit, ça reste du quick time event, hein. Ça va pas chercher bien plus loin. Alors après le saucisson, moi je recommande un petit coup de pchit à la menthe contre le froid. C'est pas mal. By who? They call themselves Trinity. They tried to kill me. Oh. What the hell is going on here? You're starting to scare me. The tomb was empty, but I think they were looking for the divine source. The artifact your father was after? There's more. I found this symbol in the tomb. I knew I'd seen it before. It was driving me insane. That's when it hit me. I saw it here, in one of Dad's books. Listen to this. The lost city of Katesh, said to have disappeared in Siberia sometime in the 12th century. Legend says that on the eve of the invasion by the Mongol horde, it sunk beneath a lake. What does this have to do with the Prophet's artifact? The same symbol. Laura! Le trésor se trouve pas signalé par une croix, mademoiselle Jones. Siberia? Are you kidding me? Just think, if this thing could really unlock the secret of immortality, it would change everything. Sickness, suffering, death, gone. Are you listening to yourself? Jonah, we've been through so much together. You know there's more out there. This could be real. I don't care if it's real. I've lost too many friends. I don't want to lose you too. Dad never made the connection to Katesh. He gave up everything for this. Including you. Stop blaming yourself for what happened. He made his own bed. I can't give up on him. Not now. It's all I have. No, it isn't. If you stayed still for 5 minutes, maybe you'd see that. Et à ce moment-là, il y a les bêches qui arrivent. Et... Ok.
C'était quoi les deux pilules bleues déjà? Ça, je t'entends. You can't stop us. Shit, Laura. Et c'est là qu'on comprend que tout le problème de Laura, c'est qu'elle aurait dû prendre des cours de tir plutôt que de Varap. Ça aurait vachement raccourci ses problèmes. Siberia, it is this. Tunguska, de retour. Et trouve-moi du shampoing surtout. J'ai joué tout dégueu, merde. Je marche de manière creepy en me plaignant. Oh, c'est dur la vie. La survie c'est encore pire. Même pas un petit lapin croisé à manger, à grignoter. Alors les ours sont guimauves, je vous en parle même pas. Non, je suis Lara, vous êtes des emmerdes. Je savais que j'aurais dû prendre des moon boots. You can do this. Move. Attention, ça glisse, madame. Madame, tu m'écoutes pas, toi. Tu vas te mettre une pelle, est-ce qu'il continue? Hey, mais ne serait-ce pas le feu de sauvegarde légendaire dont j'ai entendu parler dans de nombreux jeux vidéo? Oui, mais l'allumer, tu ne peux tant que tu n'auras pas trouvé les ressources utiles, là. il me faudrait du TNT. Ah, voilà. Ou bien un peu de napalm. Je reviens, c'était trop bien, vous étiez là-haut. Need resources to build a shelter. Ouais, ok, t'es pas obligé de stresser, quoi. Bien, t'as tout ton temps, qui va venir t'emmerder? T'as vu ton kiffé? Pas besoin de ça? Bah, prends, vas-y. Hop. Ok, that's my work. C'est bien, prends celui-là aussi. Not enough to last the night. Need to gather more. Ah, tu veux même avoir des cornes d'élan pour pouvoir te gratter le dos pendant la nuit. C'est pas le confort, ça? Fresh kill. No meat. C'est rien, c'est des fox terriers. Back to camp. C'est dommage, tu ne craignais absolument rien, pépette. T'as pas un mode jeu court? Ah non, courir, t'as pas envie. Non mais je comprends aussi, avec ce temps pourri. Ouais, la dernière fois je suis allé faire un ski de fond, c'est bien simple, hein. J'ai vu ça, j'ai abandonné. Faut pas rester face au vent, pépette. Bon, je reprends un bout de saucisson là, monsieur Paul.
Le saucisson après du truc pour la gorge, pour en revenir à des choses importantes, c'est quand même pas mal. And what of the remnant? They continue to resist us, but we'll have the situation in hand soon enough. Good. Trinity has faith in you. Trinity. I wish this pain wasn't so familiar. Like looking an old enemy in the eye. It wants to take me down. It wants me to just lie down and die. But I won't. I can't. There's something here. There must be, or Trinity wouldn't be in this snowy hell. I just hope that Jonah is okay. That he found a way back. I just couldn't risk having him with me. Not again. The pain of losing him, that would be too much to bear. This is my path, and mine alone. Bien, bien, bien. Bah, on est plutôt bien là. Alors, ce que je propose, on va se faire un petit roupillon ici, on va arrêter le stream. J'ai été médisant avec le retour de Lara Croft et c'est tout à fait naturel, je persiste à le dire, on commence pas un jeu avec des scènes de vertige. Et c'est quoi ce putain d'accent de pain beige britannique pourri que vous lui avez foutu? J'aimerais savoir d'où ça vient, quoi. Parce que Lara Croft, quand même, c'est censé être la rupine un peu classe, mais punk. C'est un peu plus punk girl, quoi. Là, on a l'impression d'avoir une môme qui est en train d'essayer de nous vendre du vernis à ongles. Enfin bon, sorti de ces deux râlages qui sont quand même habituels chez les vieux, il faut admettre que, mine de rien, le reste est fort bien emballé. On a un boulot assez énorme sur l'environnement, comme toujours. Le gameplay, je sais pas, on verra plus loin, parce que là, c'est le problème là, avec ces jeux, c'est qu'on a souvent l'impression d'avoir un film interactif et de pas des masses jouer. Appuyer à gauche, droite, faire un saut, chercher un peu son chemin pour faire genre. Mais pour l'instant, on n'a pas trop fait appel aux fonctions importantes du cortex humain, je crois. On se retrouve peut-être dans un autre stream, peut-être dans une autre résolution d'ailleurs. Je vais essayer de remonter tout doucement en res, voir si je peux gagner, mais ça m'étonnerait. De toute façon, dès que je passe en Full HD, ça va partir en couille. Puis je vais regarder la qualité de ce stream qui devrait être normalement correct. Hein. Vous avez exactement ce qui est diffusé sur mon écran pour une fois, et non pas quelque chose qui a été downscalé. Je vous fais des bisous, encore des bisous, je suis toujours pas contagieux, un petit peu malade encore. Prochain stream, ça va être... J'aimerais beaucoup revenir sur Echo, mais comme je l'ai précisé dans la tweetlist, les parties sur Echo maintenant deviennent très compliquées. Et donc en fait, je refais en boucle beaucoup de fois les mêmes salles, parce que je pige pas, d'une part, du premier coup la mécanique, et que d'autre part, j'ai tendance à m'affoler quand je suis en mode infiltration et ça marche super bien sur moi. Donc très souvent, ça part en caquette parce que je me fais repérer et il faut que je cours me cacher tout en évitant de me faire repérer par plus de deux autres personnes. Et les niveaux deviennent très longs avec moi. Du coup, c'est très rentable comme affaire. En tout cas, si vous n'avez pas vu les streams sur Echo que j'ai fait, jetez-y un oeil, ça vaut le coup. Ça peut être un type de jeu qui vous plaira si vous aimez bien. Infiltration en temps réel, mais avec un petit côté tour par tour, comme je l'ai dit. Jetez-y un oeil. Je vous refais des bisous parce que je suis sympa, que c'est dimanche et on a eu du rap de la semaine dernière qu'on n'a pas utilisé. Et je vous dis à bientôt.